Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer une nouvelle petite création que j'ai faite à partir des papiers que j'avais fait avec la des fonds que j'avais fait avec la gel presse. Donc là c'était un fond vert. J'avais dans l'idée au départ de faire un genre de slime line avec des petits animaux ou des choses comme ça. Et puis finalement j'ai reçu cette planche là. Alors attendez, hop là, je vous fais bouger, pardon. Voilà, cette planche que j'ai reçue d'AliExpress. Donc, j'ai reçu plusieurs choses. Je ne vous les ai pas montrées, voilà, parce que ça arrive au fur et à mesure. Je n'avais pas forcément le temps de tourner ou quoi. J'ai craqué sur cette planche, en fait. Je suis tombée complètement par hasard dessus. Et je n'ai pas pu y résister. Donc, je l'ai commandée. J'ai utilisé donc cette petite fille-là. Cette jeune demoiselle, que je trouve vraiment adorable. Mais même, voilà, de dos, quoi, c'est trop, trop mignon. On a les petites abeilles qui volent. La petite fleur, le petit chien, là, qui est vraiment, mais trop, trop mignon. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Il n'y a pas trop de reflets dessus. Voilà. Et puis, j'ai reçu en même temps cette planche-là. Alors, attendez. Non, elle n'est pas ouverte. Enfin, si, elle est ouverte, mais désolée pour le bruit. Voilà, cette planche-ci. De petits chiens, parce que j'ai une petite chienne qui ressemble un peu, hein. Et du coup j'ai eu envie de, voilà, un petit peu de les associer en quelque sorte, même si c'est pas forcément sur la même carte. Donc j'ai d'abord tamponné ma petite jeune fille sur du papier aquarelle, bon, après avoir découpé ma carte, hein, bien entendu. Je l'ai colorisée avec des feutres aquarelles. J'ai rajouté avec des feutres, enfin pas des feutres, des stylos gel pailletés, quelques petits traits par endroit, voilà, des petites notes pailletées, parce que j'aime les paillettes, il n'y a rien à faire, il faut que j'en mette dans toutes mes créations. Mais c'est juste, voilà, pour faire des petites notes un peu qui rehaussent un peu le tout. Je ne sais pas si vous les voyez, j'essaie de tourner la carte pour que vous puissiez voir, mais c'est pas évident. Alors, eh ben non, on n'y arrive pas. Si, voilà, comme ça, je ne sais pas, enfin bref. Tous les petits ronds jaunes, ils sont pailletés. Les cheveux, les machins un peu plus foncés sont pailletés aussi. C'est légèrement irisé un peu dans les fleurs ici et le petit bouquet ici. Donc ensuite, je l'ai complètement détouré et mise en 3D. Mais avant ça, en fait, sur le fond de la carte, j'ai pris des petites fleurs d'une autre planche de tampon. Où est la planche de tampon, Elsa? Quoi? Où est la planche de tampon? Voilà. Okay. Celle-là, non, c'est pas une autre planche de tampon, c'est celle-ci. Donc j'ai utilisé cette petite fleur que j'ai tamponnée de diverses couleurs un peu par endroit, voilà, pour faire un fond. J'ai utilisé les petites abeilles aussi, que j'ai mis aussi pareil à divers endroits. J'ai fait quelques énamels dots et puis simplement avec un stylo très très fin, j'ai fait un petit contour, voilà, pour faire un cadre. J'avais pas envie d'ancrer les bords, donc j'ai juste fait ce petit contour au stylo, coller ma poupette en 3D, un petit sentiment plus de douceur. Et voilà, à l'intérieur de la carte, j'ai juste mis deux petits stickers, l'histoire de, voilà, j'aime bien mettre des petites choses à l'intérieur pour faire joli. Et au dos de la carte, mon petit toutou. Donc, que j'ai mis avec quelques papates. Donc, voilà, c'est le petit chien. Donc, c'est celui-là, celui d'en haut, que j'ai utilisé. Avec le tampon des petites papates que j'ai mis un petit peu partout. Voilà, comme ça, ça finit la carte. Voilà. Pour aller avec, j'ai fait, voilà, comme j'avais une petite chute de papier, j'ai dit, bah tiens, ça fait, voilà, à peu près la largeur d'une ATC. J'ai coupé pour la hauteur. Donc, c'est le même fond. J'ai utilisé exactement la même technique, les mêmes tampons, etc. Le même sentiment, plus de douceur, sauf que là, j'ai pris mon petit chien. J'ai colorisé juste les fleurs, puisque le petit chien, je trouvais que blanc, il était parfait. J'ai juste colorisé les petites fleurs, donc avec des feutres aquarelles de la même façon, mes petits enamel dots par-ci, par-là. Mon petit contour, pareil. Et j'ai simplement maté sur du papier noir, mais vraiment, il y a un millimètre tout autour, quoi. Voilà, et donc au dos, mon petit papier ATC, donc que j'ai imprimé, comme ça m'évite d'avoir à tout réécrire à chaque fois. Et puis je trouve que c'est joli en plus, donc voilà, il y a mon nom, mon adresse, etc. Le thème, enfin voilà, tous les éléments de l'ATC. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces créations vous ont plu également. Si jamais vous vous en inspirez, que vous les refaites, eh bien, je serai très très heureuse de les voir. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Prenez soin de vous, likez, commentez, partagez. Et puis, ben voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.